Salut, Nicolas pour Bike Shop. Je vous présente la Boss DD7, une pédale déco très complète. Cette pédale est une pédale de delay, déco. Vous avez deux entrées, input A, input B, deux sorties, output A, output B. Si vous branchez votre guitare directement, c'est-à-dire branchez votre guitare in, la pédale et sortie sur l'ampli, vous utiliserez l'input A, la sortie A. Vous pouvez aussi vous brancher via l'in-out loops que vous trouvez à l'arrière de votre ampli généralement. Si vous voulez avoir du panning, il faudra utiliser la sortie A et la sortie B en ayant par exemple deux amplis. Vous avez ici une entrée pour un foot switch optionnel, le FS5U, qui vous permet de faire du tap tempo, ou une pédale d'expression EV5. Sur l'arrière, vous avez une entrée pour une alimentation optionnelle PSA de chez Boss, qui est une alimentation 9 volts en courant continu. Cette pédale fonctionne aussi sur batterie. Vous avez une vis à dévisser ici et il y a une pile 9 volts à l'intérieur qui est ici. Ce qui est intéressant, c'est quand j'appuie, on voit que ça n'active pas la pédale. Pour l'activer et l'alimenter, il faut qu'il y ait un jack de brancher dessus. Là, je vais pouvoir activer et désactiver la pédale comme on voit avec la LED. Et donc, ça vous évitera des mauvaises surprises en termes de durée de vie de pile. Avant de procéder à des tests, je vais vous expliquer les paramètres. Vous avez ici le E-Level, c'est un niveau qui vous permet de gérer le niveau de son traité. Donc ici, vous n'avez pas du tout d'effet qui est inséré, et plus vous allez tourner le potentiomètre sur la droite, plus vous allez avoir de l'effet delay. Ici, il s'agit du feedback. On va contrôler ce qu'ils appellent l'effet Larsen, c'est-à-dire la durée de répétition, c'est-à-dire si on veut beaucoup de répétition dans le temps, on va augmenter le feedback. Si on veut qu'il y ait peu de répétition, on va le mettre plutôt vers la gauche. Le D-time ou delay time, c'est la durée entre chaque répétition. Donc si vous voulez une durée courte, il faudra le mettre sur la gauche. Si vous voulez une durée plus longue, il faudra le mettre sur la droite. Sachant que ce delay time dépend du mode sélectionné. Et justement, il y a plusieurs modes. Il y a un mode modulate, du moins reverse le premier, qui permet de jouer le délai dans l'autre sens, c'est un son assez 70s. Un mode analogue qui correspond à une reproduction de la Boss DM2, un classique de chez Boss. Le mode modulate qui va rajouter un chorus. Le mode hold qui correspond à une sorte de boucle, du moins moi je m'en sers comme ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 40 secondes et jouer par-dessus. Le mode 50 millisecondes, donc vous allez pouvoir gérer des répétitions entre 1 milliseconde et 50 millisecondes, et justement 1 milliseconde on sera sur la gauche, 50 millisecondes sur la droite. Le mode 200 qui vous permettra de gérer des répétitions entre 50 et 200, 800 millisecondes entre 200 et 800 millisecondes, et 3200 millisecondes entre 800 millisecondes donc sur la gauche et 3200. Par rapport à ça, sur le livret qui est fourni avec, vous avez ici un autocollant que vous pouvez coller sur votre pédale qui vous rappelle qu'en fait, entre 800 et 3200, on est à la noire, etc. Le son clair sans la pédale d'écho. Et maintenant, j'active la DD7 en mode reverse. Là, on a le fameux chorus dont je vous parlais tout à l'heure. Et maintenant, le mode hold. Je vais créer une boucle. Et je vais pouvoir enregistrer par-dessus cette boucle 40 secondes de données environ.
Là, j'ai ma boucle et maintenant, je vais pouvoir faire un solo, par exemple, ou construire un thème. Et je vais pouvoir enregistrer ce thème par-dessus. Donc en position hold, bien sûr, le nombre de répétitions, du moins la fonction répétition, n'est pas active. On a ensuite une fonction donc 1 à 50 millisecondes. Avec ce potentiomètre, je vais décider du nombre du type de répétition, c'est-à-dire une répétition courte ou plutôt longue. Et avec le potentiomètre feedback, si je veux que ces répétitions durent dans le temps ou pas. Et ça vous permet aussi de gérer des effets assez sympathiques pendant vos lives. Et enfin, la dernière fonction, avec des répétitions beaucoup plus longues. J'ai oublié de vous parler de quelque chose tout à l'heure. Si vous laissez appuyer sur la pédale pendant 2 secondes, vous allez avoir accès au tap tempo. Donc je vais pouvoir, en appuyant sur la pédale, régler mon tempo avec le morceau que vous êtes en train de jouer ou si vous êtes avec un batteur par exemple. Donc là, les répétitions sont sur la fréquence que j'ai donnée. Pour en savoir plus sur la Boss DD7, rendez-vous sur le site bax-shop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt !